Bon, et là du coup, putain, on va y arriver. Je vais y arriver, j'y crois mort. Parcourir, ok. NXE, NXE qui vient de Suisse. Ils sont venus en force, les Suisses aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Ah, ouais, alors, ils sont venus en crew là, ils sont venus pour tout niquer. Tococo, il jouait. Bon, je sais que la plupart sont là pour P+, je pense, mais bon, ils se sont dit, on va faire un peu de Ultimate aussi. Et NXE qui part sur ZSS. Les LSS, hein. Ah, j'adore ce perso, moi. Ça va, tu t'en sors? Ouais, ouais, t'inquiète. Vas-y, vas-y, que tu peux cast. J'arrive. Pour l'instant, Green qui est pas mal, hein. J'arrive, oh, j'arrive. NXE, il m'a dit. NXE, ouais. Hop. C'est bon, j'arrive au cast. Non, ouais, vas-y, j'ai encore vas-y, un truc à faire. Hop, hop. Ouais, Green qui doit faire attention de pas se faire effect le. Je sais pas comment ça s'appelle, le Sharp Shot là qui paralyse là de. La Shadow Ball là. Ah non, tu parles du Neutral B, ouais. Ouais, Sharp Shot j'appelle ça. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle. Faut juste qu'il fasse attention à ça, mais normalement ça devrait pouvoir se faire. Ah, bien vu ça. Mais non, mais attendez, calmez-vous. Il joue ZSS. Zéro suite. C'est bon! Les gars, putain, on a réussi! Normalement, on est bon! Attends, je vais faire un truc, vas-y, vas-y, commente! Tu peux cliquer aussi pour enlever la barre des tâches. Tac, nickel! Ah, donc du coup, on est parti, j'ai pas vu le début de la game, mais Tococo qui est déjà à 111%, c'est très dangereux parce que même sur Battlefield, quand même, Mewtwo il est léger. Ouais, mais on a vu une tentative de up B. Hein. Ah, mais avec une soc d'avance, ouais, j'avais pas vu ça. Donc tout va bien finalement. Il a failli mourir quand même sur un up B qui a été whiff, mais il l'a pas puni derrière. Une tentative de side B forward air qui est un combo assez classique de Mewtwo, mais ça n'est pas passé. Ah, ce side B, faut bien le shield. Non, 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 tu ne peux pas punir side B, c'est instantanément puni. Tu n'as pas le droit de punir side B on shield de ZSS. C'est pas possible. Tu meurs, enfin sauf si t'as des auto-shields divins, mais ouais, point 5. Non, c'est bon, attends, faut mettre un point. Ça marche pas le point ici? D'accord. Non, c'est trop. Quel enfer. Point, point 5, ok, on peut le faire. Ah, attends, c'est... oui, c'est bon. Oh, ça galère, hein. On va y arriver. C'est bon, les gars, on a réussi. Ok, c'est bon. En fait, j'avais tout fait et tout s'est annulé, je sais pas pourquoi. En attendant, Tococo qui est sur sa dernière stock, hein. On avait dit une stock d'avance et tout, mais. Il s'est fait comme un Green qui a bien. Il a voulu punir des trucs impunissables et tout, donc je sais pas s'il connaît bien le match-up. En attendant ce forward throw qui a été bien chase avec un jab, un bon jab frame 1 des familles, hein, de ZSS, le fameux Nerdambi combo assez classique de ZSS. Quand tu le fais devant le vide, c'est encore mieux, tu peux tuer à 30%. Ouais. C'est tellement fort. Ils ont raté le reste pour Spike. Ah merde, ah, désolé les gars, on, ouais, on a du mal à se faire. Non mais là, oh, il a joué ça. Ce il l'a renvoyé. Ouais, faut qu'il fasse gaffe à ce replay parce qu'il faut se faire avoir. Ouais, ouais, faut faire gaffe. Ouais. Mais là, on connaît ZSS, un Don't Smash into FB, ça tue. Hein. Ah bah, c'est. Moi je pense que Don't Smash into un peu ce que tu veux finalement. Ah oui, non mais moi je dis Don't Smash into FB. Là, tu fais Dance Smash into. Bon, bah, ça marche aussi. Freeze ouais, into ouais. A B, voilà, on n'a pas précisé. Bravo, Green Eyes. Voilà, Green Eyes qui vient prendre la première stock. Du coup, voilà. On n'a pas de logo. C'est, Je suis nul. Voilà, excuse, désolé. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Ouais, ouais, on l'a raté, mais bon, c'est un peu dur. Il y a 30 000 trucs à setup. Mais normalement, c'est nickel. On l'a setup 20 fois, tout, c'est cher. Ouais, c'est parfait. Voilà, donc. Ça va partir sur. Bon, on va voir ce qu'ils vont pique un en tout peu. Cas, Green Eyes qui a l'air vraiment pas dégueu. Hein. En tout cas, j'imagine que voilà, il va ban des trucs. Je sais pas ce qu'il peut ban contre Mewtwo en vrai. Je connais pas vraiment les bonnes maps de Mewtwo. Moi non plus. Ouais. Bon, ZSS, je pense que ça aime un peu tout. Sur Pokémon qu'il... Stadium 2, intéressant. ZSS, ça doit privilégier un peu les plafonds qui sont bas pour pouvoir ouais, tu ZSS, vois. ZSS, ça privilégie Town & City. On sait. Oui, voilà, les plateformes quoi. les bons murs qui sont bien proches et tout. Et Tococo qui a Counterpick sur Terry, j'ai cru ah, voir. Ah, très d'accord. Non, là il vient de passer sur Terry là. Tococo il jouait Mewtwo avant. Tac, et donc ça part sur du Terry. Intéressant, c'est peut-être son main et il a voulu tenter Mewtwo mais ce n'est pas passé. Terry, en attendant. Ça va être pire que Mewtwo, je sais pas du tout en attendant. Voilà le classique hein, que vous allez voir 20 fois dans cette game. Jab jab power dunk. Ça ah marche bah à tous les pourcents, c'est bon. Ah ça bah tue, ouais. Ça fait des combos. En attendant, on tente des power wave de loin, mais bon, voilà, avec. ZSS qui va pas rester souvent au sol, on va voir ce que ça donne un peu. Hop là. C'est directement pas en jab jab power dunk, y a pas grand chose à dire de plus. Classique. Voilà, c'est... c'était bien joué ça pour le repousser. Oh là là, oh, très bonne attente. Oh, c'était clean hein. Il a bien tendu la sortie du burry. Il a pas air dodge en sortie de burry et du coup il s'est fait punir sur ce match. C'était bien attendu ici. Hein. NXO Green qui nous propose de la qualité. Bon. Ouais.
ça cherche les lasers, un F-Tilt pour repousser Terry et ce B. Voilà, c'est un smash up B là. Ça tue. C'est... je pensais, oh, je sais pas. Je sais pas trop. On l'a vu partir lentement. On l'a vu partir, ouais, on pensait qu'il n'allait pas mourir. Il a DI, c'est toujours des DI bizarres sur ce. Ah, ouais. Faut DI down the way, sauf sur Tornado City, ou faut DI in parce que les plafonds sont plus hauts et du coup tu survis mieux, je sais pas quoi. Et du coup, ouais, Sorif, t'avais raison, il avait le gomme, il a pas pu en profiter parce qu'il est mort avant 100 tours. Ah, il est mort quoi. Bah ouais, c'est ça. Et ça, c'est complètement dommage. Ouais, c'est ça, attention d'être en vie à plus de 100%. Bah, faut être en vie à plus de 100% dans ce match-up, c'est pas forcément facile. Surtout quand t'essayes de Rico, c'est bon, il a tenté, il a réussi quand même à reprendre le stage en plus. Et cette fois, c'est Next Even qui est en difficulté, mais à chaque fois. Oh, let's go! Bien joué! Petit power dunk là qui va spike. J'allais dire à chaque fois il fait un zer pour envoyer Boulet au coco en disant bah non c'est bon je remonte et là bah il s'est pris autre chose par dessus et il a rien pu faire, il est mort. Tokoko qui est déjà à 128%, malheureusement, enfin heureusement pour lui il y a le go déjà, le go, là. Ah, ouais. Mais ça va tuer le flip kick, il va prendre la stock. Ça fait mal hein. Bah il a Mewtwo mais Pourquoi il a pas fini ce side B malheureusement. Je pense aussi que le MI il a l'air assez dégueulasse pour Terry. Oh là, et en plus l'Arico comme ça ouais. Non, et en plus là je pense l'Arico tu prends un free dance smash ou je sais pas. Mais oui enfin. Je sais pas trop quoi penser de ce matchup en tout cas. Mais moi je pense qu'il se fait camp avec le side B et tout, tu vois le Zer et tout. Même en termes de mobilité il est perdant genre dans l'histoire. Mais carrément. Offstage il est perdant, enfin je sais pas, je trouve ça un peu confessable comme choix. Power Dunk cette fois qui va toucher, dommage, Greenest qui n'était pas bien placé pour le punir. Oh, il se fait avoir par tous les. Par tous les Dambi, ah, ouais. Il se les prend tous, offstage, onstage. Jab jab Power Dunk pour monter un peu les pourcents. Il faudrait tuer pour rattraper parce qu'on sait que Terry, même à 100%, ça peut regagner, ça peut gagner facilement parce que ça peut prendre des interactions de Buster Wolf qui font beaucoup de pourcents. Le go, est-ce qu'il va en profiter ici au moins une fois? Jab jab, Buster oui, Wolf, et voilà, go. Ça prend la stock. Et là, comme on le disait, hein, ça peut avoir l'air. Oh, bah. Oh c'était magnifique. J'allais dire, oh, ça peut avoir l'air l'avantage de ZSS, mais oui, ça l'était effectivement. 2-0. 2-0 pour Ignize, la Suisse qui s'impose. Et oui. Inter lyonnaise. Non, archi chaud, je. Non, franchement, je connais pas.